Alléluia, les noces de l'agneau sont venues. Les sept âges de l'église sont déjà finis. Nous vivons aujourd'hui dans le huitième jour. Les nouveaux jours, c'est la nouvelle création. Les retours en Éden, dans la nouvelle Jérusalem, personnifié. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique et c'est le dimanche 26 septembre 2022 que cette émission nous sommes en train de tourner avec un invité de marque, un invité qui vous sera un invité surprise, vous allez le voir. Son nom, c'est l'interplanétaire docteur, il est en même temps pasteur. C'est l'homme qui a voyagé le monde entier, il a fait tous les 5 continents sans Zambage, il a baptisé des milliers de blancs, des milliers de noirs, des caucasiens, des amérindiens, c'est-à-dire le monde entier, on les connaît. Et ne soyez pas surpris, nous allons tourner une émission sur des débats qui sont en train de parcourir les réseaux sociaux. Et je pense que présentement, le seul que nous avons qui peut nous éclairer, c'est un très bon prédicateur, un puissant prédicateur. Son nom, c'est docteur, pasteur William Kanigi Kabulo Kanyeba. Pasteur. Oui, toi. J'aimerais bien poser la première question. Voilà. Sur la table, nous avons ce que les gens appellent chèrement Bilumian. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que maintenant, les gens disent, c'est comme si on veut introduire l'alcool dans le message, alors qu'il y a certains qui disent, bon, prenons seulement parce que c'est sans alcool. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est la première question. Il n'y a pas d'alcool ici dedans. Je demande à tout enfant de Dieu de boire cette histoire ici qu'on a déjà éclairée à plusieurs reprises aux enfants de Dieu. Il n'y a même pas un minimum d'alcool ici dedans. Il y a certains qui disent que c'est parce que vous êtes aux États-Unis, vous avez les moyens de vous en procurer. C'est pour cela que vous réveillez, vous en effectivement. D'alcool. Oui, effectivement, nous sommes aux États-Unis. On peut boire tout ce que nous voulons. On peut boire moins l'alcool. Waouh. Oui. Elles sont là-bas en train de boire Chibuku, Chichamba, Malakaya, Bingani 500, Bionswa. Est-ce que tu m'as déjà vu m'élever Chibuku, Chichamba, tout ça? Non, non. Comment elles laissent les Chibuku, les Chichamba et tout? Ils viennent encore avec des mensonges pour rentrer ici en disant qu'il y a de l'alcool. Ça, nous allons ouvrir. On peut l'ouvrir. Je vais demander à mon ami d'enfance, Malakai. De venir ouvrir cette histoire. Hein. Ça, c'est mon ami d'enfance avec qui nous avons commencé l'école de dimanche. Hein. Bon. Tu vois, retrouver quand même quelqu'un avec qui vous avez commencé l'école de dimanche. Wow. Dans les messages ici. Nous, on est nés dans les messages. Vous n'avez pas connu autre chose? Non. Nous, on connaît seulement les messages de William. Quelle grâce. En attendant que notre frère Malachi, c'est le prophète, ouais. Malachi 4, salut si tu veux. Tu dois lire Malachi 4, le prophète du temps de la vie. Ça c'est en direct. Malachi. Voilà. Donc avec l'interplanétaire. Interplanétaire. À quoi ça monte? C'est mais en attendant que notre précieux frère Malachi est en train de vous donner et que les gens puissent voir que vous êtes en train de prendre ça en direct. Parce que ça ne soit pas comme une histoire. Vrai, donc ce n'est pas une histoire. Que vous puissiez prouver que non, on prend déjà. Il n'y a pas d'alcool. Donc on ne puisse pas se faire. Il est quelle heure maintenant là? Il est presque 22h30, c'est heure des États-Unis. C'est le meilleur moment pour boire ceci. Bien, merci beaucoup. Waouh!
C'est ça le message. Que vous le vouliez ou non, il vient de le dire. Et il a dit, il a terminé, on l'a donné, il a pris. Révérend, oui. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On a une panoplie de questions parce que ça court dans tous les sens. Qu'en dites-vous de la photo d'Hoffman? Doit-on la garder ou bien doit-on la lever? Vous dites qui est. Frère Branham dit c'est la psychologie. Jésus a été brisé, cassé, tout ça, à l'âge de 30 ans. Et maintenant, quand il est cassé, ça veut dire quoi? Quand vous. Mais Dieu l'a supprimé pour que Dieu ait la vie, pour que toi tu sois Jésus. Okay. Oui. C'est-à-dire que Jésus voulait avoir Jésus. Avant, il était Elohim. Il existait par lui-même. Mm-hmm. Il est passé par la tribu de Logos. Il est devenu maintenant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une famille. Il est devenu Dieu avec une famille. Et il a des enfants. Donc l'enfant d'un chien est un chien. Oui, c'est vrai. L'enfant d'un chien est un chien. Et l'enfant de Dieu, il est qui? Il est Dieu lui-même. Merci, très bien. Alors, qu'en dites-vous de ceux qui disent qu'ils ont corrigé Branham? Branham, papa, il fallait le corriger. D'abord, qui peut corriger Branham? Qui? Tous ces temps, ils étaient où pour corriger? Ça va dans toutes les directions. Ça tire à balles réelles. Celui qui corrige Branham, quand Branham a commis l'erreur, c'est l'ange qui est venu le corriger. Il a dit non, ici ce n'est pas comme ça, ici. Aucun prédicateur. D'abord, ce sont des auxiliaires. Tu connais des auxiliaires? Toi, tu es médecin comme moi, non? Ah oui. Ok. Bien, bien sûr. Des auxiliaires, ce sont des gens là en bas, là-bas, là. Tu comprends? Ils sont loin même d'être dans la classe élevée, là. Donc, Branham, c'est la haute cour. Comment quelqu'un sans niveau peut aller corriger les maîtres? C'est l'audace. Mais qu'en dites-vous pour ceux qui disent que mais le prophète, lui, peut corriger la Bible? Ou bien il peut corriger... Le prophète est la bouche de Dieu. Est-ce que vous savez d'abord qu'est-ce qu'un prophète? C'est la bouche. La bouche. Donc là où, quand il dit que la lumière soit, la lumière, ça sort de la bouche du prophète. Ça ne sort pas de la bouche d'un prédicateur. Alors, si les gens aiment se faire des confusions là-dessus, c'est leur problème. Tout ce que moi je sais, Frère Branham dit, Ève des derniers jours ne tombera pas. Parce qu'elle a reçu l'entière révélation de toute la parole. Vous comprenez? Dieu révèle sa parole à ses enfants, au travers un prophète. Alors, quand les ministres ont de la confusion dans leur tête, les aigles déjà comprennent que ça ne va pas. Nous avons trop de commerçants parmi nous aujourd'hui. Vous avez trop de commerçants parmi vous aujourd'hui, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre débat qui court. Parce que ces commerçants-là, comme vous les appelez, moi je ne sais pas, c'est vous qui êtes le révérend. Tout ce que vous dites, vous en assumez la responsabilité. Voilà. Alors, une question qui tombe encore. Qu'en dites-vous de mariage mixte? On dit entre un blanc et une noire. Ça n'existe pas. Frère Branham a donné les raisons du mariage mixte. Frère Branham en a donné des raisons. Le mariage mixte n'existe pas, pour commencer. Vous comprenez? Okay. Frère Branham donne des raisons. Il ne veut pas qu'il y ait l'hybridation, parce que, remarquez, un enfant qui naît entre noir, un noir et une blanche, s'appelle mulatto. Métis. Métis. Maintenant, est-ce que tu sais ce que veut dire moula? C'est les milets. C'est un animal qui ne connaît ni son père. Pourquoi on doit aller à quelque chose qui brise déjà la reconnaissance de votre propre père? Est-ce que tu vois d'abord le nom là? Milatre, mulato, mula. C'est en espagnol qui veut dire animal. Un animal terrible de tous les animaux qui existent. Cet animal-là est incapable de se reproduire. Ok. Alors, voulez-vous avoir un mariage dans lequel vous vous reproduisez bien, ou bien vous voulez un mariage dans lequel on a des animaux, des moules. Ok. Voilà. Je pense que les gens sont éclairés. Donc c'est le manque de connaissances. L'ignorance, ça tue. Tu comprends? C'est-à-dire, Frère Branham donne les raisons. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait croisement, l'hybridation des semences. Une hybridation qui amène la mort. Partout on a hybridé. Parce que nous sommes plus français. Bayanda, nous sommes plus bonani. Bah commerçant, bah boyla mumba. Benda bi, baba na banzambi, benda baba baba tu mi bumbi. Baloni bintu bi amafima, bintu bi amumi tu ya bu papa.
Zambi toi ça qui dit là parce que message avoir enregistré pour bila mabusu qui a gagné un ouais passer au ambassadeur tu y as gagné vérifier a jano bra na mga mucha mbapa papa hambe lo papa hambe na sho mu vala kasa ko ka mongale nga papa to to lo bilo papa mbwele la no muina mo aba wa bilamba wa bambi ni wo ka ni sapere ka bidi bidi bish to wa mbaza wo ka bu nya mu hanu wata ku wata mbwa lo ka to sapere mo ni kwa mbachi me manji mu fwa ju kwa bimba ça dit que moi je m'habille comme un roi ça dit les mêmes vestes il dit baro ba voilà bintu bikala ni mena moi je porte les habits qui Hippocrate par hasard que vous cherchez à appliquer parce qu'on dit tout ce qui est beau c'est pour les médecins puis on t'a mal ban médecin je pour la taille voilà so ouais ouais moi ne suis pas un ouf bonani tout ce qui est beau appartient aux médecins si bintu bikala mon attire et tout papa wallo point parce que tant que là on dit janza pour que tu vas me tu bilan vidéo wa ko nyang baba no ka dire no ba sa père hein oui le ko dit janza bon Jésus ou rien branam ou rien vous vite ka bon tu na cha chi cha créer problème gai ka dit ben tu ben bambi ce que dit no to ambile parce que mon réseau ba aba ba quoi est-ce qu'il y a branam est-ce qu'il y a branam sans Jésus ça dit que bien sûr bikala ko c'est bon bien sûr il faut bikala ko mon king boy si Jésus lui-même Jésus il était là. Pourquoi il a cherché Paul? Commençons d'abord seulement par Jésus. Pourquoi a-t-il cherché Paul? Pourquoi a-t-il cherché Branham? Bayand, je dis bon, je dis bon, Bambi n'est qu'un coin. Dieu lui-même, ou bien il dit tout le monde, Dieu est incapable d'agir lui-même sans avoir son agent qui est l'homme. Bonsoir, ça va, je m'en vais. Et c'est un homme aujourd'hui, je m'en vais. Papa, parce que pas de ce qui est là, c'est Jésus a zaté. Sinon, Jésus, il fallait qu'il y ait un moko. Mais il y a un moko. Il y a un moko. Il y a un agent, il y a un. Parce que lui, l'a envoyé. C'est pire et simple. Parce que oui. On a zoomé mon salaire sur les. Mais la pikaka sur les, ça n'a pas de problème. Papa, je vous question, je vous pose. Mais la comète, au katanga, le droit qu'on est là-bas, malachi, qu'on est dans la comète, qu'on est dans la pikaba mathématique. Yoga, je suis qui à sa mouille. Je suis au katanga, tu n'as pas qui m'a pas mouille. Mais la sema, chez tout co, pas, tu y a katanga, tu n'as pas qui noir. On n'a pas qui noir, mais on va pousser ma sema mingue, ma kelele. Y'a mouille, mais là, il posait mon français. Sema, papa. Bana sema. Minanza mswahili anasema Mungu aranza kuingia mubana anatoka ba musu ba jamba bando kota chunga nishi mungizo yangu malanga mbaya papa mishanzia mbaya chunga nishi njubu ubibubi ubipomone tu kama utaingia muulingi baranja kusema anaanza kusema hivi Mungu aranza kuingia mubana anatoka je entrer en brana mais sorte il entre il sorte Bako wa baliba mani zambi vubwele mubranamu watuka. Bako wa mani vubwele ukalamu. Wela kata papa. Wela kata. Mema njimu kata. Bamususu balobike nzamba bani. Ngana za kutukuna te. Kasi pesa position na yote. Balobike la foi est individuelle. Vous comprenez? Il entre, il sorte. Quand est-ce qu'il l'on vit entre? Et quand est-ce qu'il est sorti? Oh, il y a quelqu'un qui a dit, je les vois sur la tête de tel frère. Je les vois sur la tête de tel. Je, maintenant, il a... Maintenant, écoutez. Donc, c'est comme le courant. Je suis avec les serviteurs de Dieu ici. Il m'a donné un exemple. Donc, s'il y a le courant ici, c'est que dans la maison ici à côté, il n'y a pas le courant. Il y a toujours ce qu'on appelle un distributeur central. La cabine. La cabine. 600. Tu vois, donc quand Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc il a pris le Saint-Esprit, il nous a donné, c'est-à-dire que Dieu maintenant n'est plus Dieu. Ça, ce sont des raisonnements. Disons que à la Pentecôte, 120 langues de feu sur chaque personne. Tant. Vous allez jamais passer. Puis il y a un moment où je suis là, je suis là, je suis là.
Parce que Dieu s'est divisé. Parce que Dieu s'est divisé. Il s'est divisé. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que le Saint-Esprit est entré en Paul, en Pierre. Et aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, au ciel, il n'y a plus de. Regardez. Il faut arrêter des raisonnements. Quand il est entré là-bas, il est resté. Très cher téléspectateur. Vous avez des testeurs pour savoir il est entré. Vous d'abord qui êtes-vous? Et oh non, j'élise. D'abord, les gens comprennent très mal les messages. Des mauvais lecteurs. C'est pourquoi vous voyez les choses n'ont pas avancé en Afrique. Les gens lisent la parole, ils ne la comprennent pas. Au lieu de prendre déjà les choses que le prophète a déposées et répéter cela. C'est pourquoi il est nécessaire de répéter seulement ce que Fabanam dit. Répétez ce que disent les banques. N'expliquez pas. Très chers téléspectateurs, nous sommes sur la chaîne de Boaz Quality TV. Voilà. Nous avions reçu notre très cher et aimable révérend docteur, parce qu'il faut bien ajouter. Voilà. C'est son grade académique, voilà. C'est à vie. Pas tous ces autoproclamés. Non. Ici, papa, ça, tu vas vérifier à l'ordre, tu vas trouver qu'il est médecin. Il exerce. Il est là. À part ça, il est spécialiste, il papa. Il a une spécialisation. Ah, oui. Papa. Il a une spécialisation en chirurgie. Faut pas ambiler, papa. Oui. C'est-à-dire, Moumaloua, Mouish, Mouadi. Et puis, un homme humble. Papa, il faut pas ambiler, papa. Papa, papa. Moi, je ne peux pas mourir. Moi, je ne peux pas mourir affamé, toi, papa. Papa, Bindia, papa. Boba, manana, ni bakwata, ni bantu, abu, bakosa, midi, mouyons, bakanga, église, papa. Papa, c'est quoi, j'ai papa, business, papa. Papa! Mon humain, je suis en business. Papa! Mais man, je suis à l'hôpital, papa! Je vois la casa, papa, je suis chez moi, papa! Nyabamba! Toi, je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Il est responsable, à l'hôpital, je suis 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 à l'hôpital, docteur Kaniki interplanétaire sur Facebook, YouTube, Ubuelu di abonné les gars. YouTube, bagabiji. YouTube, bagabiji. Ah, surtout à notre docteur. Surtout à notre docteur. Ah, William Kaniki interplanétaire. Ubuelu di abonné. Ubuelu di abonné. Ubuelu di abonné. Kumbiki di même mato. Il est responsable wa malouon soit du moins. Zambia no benisha. Babila nani chijimu baptisé bato ka 200. Plus de 200. C'est un message à nous baptiser bateau. Tu dis moi, tiens. Quand tu es dans ton bassin, que tu es bateau. Les gars, là, dans l'eau. Tombé. En bas d'un tombé. 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 Oui. J'aimerais bien vous dire, très chers téléspectateurs, nous sommes sur la chaîne Boaz Quality TV. Voilà. Nous avons reçu l'honorable pasteur révérend docteur. C'est-à-dire, j'ajoute tout. Et c'est vrai, tout ce que j'ai dit là, il est là, en personne, en chair et en os. Aujourd'hui, cette émission a été tournée le 26 septembre 2022 aux États-Unis, dans la ville de Portland, dans l'état de Maine. Voilà. Je pense que c'est notre dernier jour avec le révérend. Trois réunions. Il a prêché dans trois églises aujourd'hui. Il était à Adonai Tabernacle chez Pasteur Aymar. Il était à la restauration Tabernacle chez Pasteur Samuel et il nous a aussi prêché dans une grande réunion à l'hôtel Double Tree, pour ceux qui connaissent les États-Unis. Et bah, c'était Hilton. Merveilleux. Et c'était merveilleux. Des gens, c'était merveilleux. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu des prières pour les malades, voilà. Il y a eu des prières du Saint-Esprit. Okay. Il y a eu des visites privées. Appel à l'hôtel. Et certains ont plein un message. Et c'était plein ce soir. Je pense que vous allez voir les images. Okay. Tout a été pris sur. Notre chaîne Boaz Quality TV, voilà. Qui va tout balancer, je pense, de ce soir ou demain le matin, vous aurez vos images. Que Dieu vous bénisse, Révérend. Merci, Wamoué, en tout cas. Merci beaucoup. Alors,